Dis-moi, Johnny, comment ça s'est passé à Nashville, là, pour ton disque? Ben, ça s'est bien passé. Ouais, rapidement, ou... Ah, ben, écoute, oui, parce que... Bon, d'abord, j'ai enregistré avec des pointures comme Charlie McCoy. Oui. Et l'orchestre était sous sa direction. Alors, j'étais parti pour faire un album, et finalement, on en a fait trois. Trois albums. C'est-à-dire, j'étais parti pour faire 12 chansons, et on en a fait 31. Dans le temps, dans le temps d'un album. Attention. C'est-à-dire en un mois. Ouais. Et pourquoi t'es parti à Nashville d'un seul coup comme ça? Ça fait longtemps que t'étais pas allé quand même. Ça fait depuis la dernière fois, c'était en 75. Ouais. Mais bon, ben, j'avais envie de retourner un peu aux sources. J'avais envie de faire un petit retour en arrière au rock'n'roll. Ouais. Et puis, bon, je crois que pour avoir le son que je voulais avoir pour cet album, il y a qu'à Nashville qu'on peut l'avoir. Et puis. Je sais pas, moi je crois que quand on fait un disque dans une ambiance, dans un contexte de ce qu'on a envie de faire, je crois qu'il faut aller dans le pays pour le faire. Oui, et le signe extérieur de richesse, c'est quoi? Moi j'en parlais comme les Italiens, là, quand on va faire les gestes et tout. Aliano, hein, signe extérieur de richesse, c'est quoi là? Les impôts, tout ça? Oh ben écoute, c'est un petit peu, je crois que c'est une caricature, c'est un clin d'œil un petit peu à tout ce qui se passe. En ce moment en France quoi? Oui, alors, il n'y a pas qu'en France. Hein. Un peu partout. D'accord, John Hallyday s'il vous plaît. Alors le Zénith, comment ça se passe, Johnny? Ça se passe très bien. Très très bien, j'espère. Ouais. Hein? C'est bourré tous les soirs? Ça m'a fait plaisir que tu viennes. Bah oui, bah je suis venu, oui. Ouais. On s'est vu là-bas. Je le sais. Bon. C'est là qu'on a discuté, qu'on venait. On s'est dit, voilà, on va faire... Bon. T'aimes bien cette salle ou non? Oui, c'est une des salles les mieux... Fait beaucoup, non, c'est une des salles les mieux que j'ai fait. Ouais. Vraiment? Oui. Pourquoi? Parce que c'est une salle qui fait pas vraiment penser à une salle de music hall, ça fait plutôt penser à des salles de concert. Ouais. Donc, et dans le style de musique que je fais, c'est mieux de faire des salles style concert que des salles style vieux music hall. Ouais, t'es plus à l'aise quoi. Il y a deux salles pour moi qui sont formidables à Paris, c'est le Palais des Sports et le Zénith. Ok. Voilà. Tu peux me donner le nom de la garce là avec qui je veux dîner ce soir? Elle s'appelle Laurent. Ok, tu vas la rejoindre là pour faire ton clip? Bah oui, mais rassure-toi, ce n'est que sur scène, parce qu'après elle est libre à dîner. Hein. Bon, d'accord. Alors elle dit la garce. Gentil, tu peux jouer plus haut. Plus haut, c'est plus difficile, hein? Quand je t'ai dit de jouer plus haut, ça voulait dire jouer plus loin. Plus haut et plus loin, c'est pas pareil. Écoute, t'es gentil. Tu vas jouer plus loin, plus haut. Et moins fort. Le métro, c'est à tout le monde. Le métro, oui. Mais ce coin-là, il est à moi depuis des années. Et ça fait des années que je gagne ma vie là sur de mon front. Ah. Bon, je savais pas. Maintenant que t'es au courant, t'es gentil, tu vas jouer plus loin. Plus haut. Beaucoup plus haut. Là-bas. Tout en haut. Là-bas, c'est moins bien qu'ici, hein. Mais c'est pareil. Un couloir de métro, c'est un couloir de métro, non? Ouais, puisque c'est pareil, hein. Pourquoi tu vas pas, toi, là-bas? Parce que ça fait des années que je suis là, il n'y a aucune raison pour que ça change. C'est ma place, j'y suis, et je veux pas que tu y sois. Bon, j'ai compris. Hein. Voilà, tu as tout compris, garçon.